explosion is. Encore une fois, je suis un palais un peu enfoncé. Maintenant, une vieille chanson. Celle-ci s'appelle Salisbury Hill. Thank you.
sont inspirés par un livre, le titre « Un journal d'un assassin » par Arthur Bremer. Et c'est avec des images de ce livre et aussi des images de Dallas et Kennedy pour Family Snapshot. Thank you.
Dans l'histoire, il y avait une publicité pour des volontaires pour cette expérience. Et les volontaires ont divisé en deux groupes les instituteurs et les élèves. Et le premier d'eux, ils ont amené en deux salles l'élève dans un laboratoire. Et l'instituteur dans la salle de contrôle. Dans le laboratoire, l'élève est branché avec deux électrodes qui sont reliées à la salle de contrôle où l'instituteur est assis avant une boîte métallique avec 32 boutons pour intensifier le choc électrique pour l'élève dans l'autre salle. Et l'instituteur lit une liste de mots et pour l'élève doit mémoriser. Et à chaque faute, il intensifie le choc électrique. Et 63%. J'ai oublié tout. Un mélange de fondouin. So, yeah, en réalité, l'élève est un acteur. Il n'est pas l'élève. Et l'expérience est pour tester jusqu'où l'instituteur allait avec sa punition. Et 63% allèrent assez loin pour tuer l'étudiant. Tout ça pour cette chanson qui s'appelle Milgram's 37. Thank you.
Thank you.
publicité, des problèmes avec l'électricité. Mais je pense que c'est fini. Ils sont prêts? Ok. Nous commençons avec nos life encore une fois. The Burgermeister. Okay.
Valentina, do you want me to bake? You got me cooking
si maintenant le monde de Eurovision. Spiel om de grenzen. Games without frontiers. Dusseldorf. Tuning, guitar, Mr. John Ellis.
It's for the wire from a telephone in the prison maze. And through the wire.
chanson, c'est pour le jeune Sud-Africain. Sud-Africain qui s'appelle Steve Biko. C'est Biko. Thank you.
might be appropriate. Thank you.
mention can always hear them talk. Hey, I'm just a lawnmower.